Bon, eh bien, salut à toutes et à tous. Il est 16h et j'espère que vous allez tous très bien. Alors non, aujourd'hui on est le 8 janvier 2022. Il est 14h26. Et allez, c'est parti, c'est le plus gros coup de tête de ma vie. Je vais passer la commande avec vous et on fera l'unboxing dans cette vidéo en fait. Mon porte-monnaie, il va en prendre un coup là. Mon porte-monnaie, il va en prendre un coup. C'est quand même des escrocs, on dirait Apple, hein. Ah là là, Mark Zuckerberg. Que le câble qui relie le casque à l'ordi, il coûte 100 balles. Donc en gros, c'est 450 balles au lieu de 350 balles. Et j'ai besoin de ce câble parce que ben, c'est beaucoup plus pratique pour moi pour faire les vidéos et tout. Mais donc, pas de panique, je vais prendre un câble qui coûte 30 euros. Heureusement qu'il y a Eneba pas très loin derrière, même si, pour être très honnête avec vous, on n'arrive quand même pas à la somme, hein, loin de là, mais voilà. Mais t'es complètement con! Et ça aussi c'est tressé. Ah non, ça c'est pas tressé. Regardez mon beau clavier et vive la France, hein. Ma banque, elle va jamais accepter. Ma banque, elle va jamais accepter. Le début d'une grande aventure. Il est déjà 16h. Got it. Je vais vous poser où, moi? Je vais vous poser là. Tac. Petite lumière. Voilà. Ça, c'est mon repas d'hier soir pendant mon live. Hop. On est mardi. Ça, je suis content parce que j'étais censé recevoir ça mercredi, sachant qu'Amazon m'avait promis lundi. Au final, ils ont coupé la poire en deux, donc on est mardi. Attends, il faut que je fasse un snap à tout le monde, là. Ah, mais non, mais je suis con. Je vais snapper quand j'aurai déballé. Oh, attends, putain, j'ai mon montage qui est terminé. Oh là, j'ai trop de trucs. Ça va? Tu t'es pas fait bobo? Putain, comment on fait pour ouvrir? Waouh! Il est là! Wouhou! Oh les gars, est-ce que vous aussi, quand vous déballez vos colis, vous vérifiez toujours pas qu'il y ait un truc en plus, bonus, si jamais, genre, je sais pas, quelqu'un qui aurait oublié Alors que c'est quasi impossible. Ah ouais, bah eux au moins ils sont intelligents. Eh, Mark Zuckerberg. Alors si seulement le plastique était recyclable, ce serait encore mieux. Mais, oh la vache à la gigine. Oh la vache, et ça va dans mon armoire direct, hein. Regardez comme c'est beau. Le haut de Oculus. Waouh. Ça pue. D'ailleurs, vous savez que l'Oculus est adapté pour que même si t'as des lunettes, donc je pense à Arthur notamment, si t'as des lunettes, tu peux garder tes lunettes. Ça c'est génial. Tu peux mettre tes lunettes guenard, bien sûr. Enfin, c'est génial. On a le chargeur, on a évidemment la prise, incroyable, de l'USB-C bien sûr, ça c'est vraiment, et l'USB-C c'est tellement le futur, c'est tellement bien. Frère, on dirait que j'ai acheté un album, regarde, je comprenais pas, tu vois, t'as ce petit boîtier là, c'est l'album d'Orelsan frère, haut comme Orelsan, et hop, tu sors du machin, c'est incroyable. On sait pourquoi on paye 350 euros, hein, moi je te le dis. Hein. Ah, on a des instructions là, il faut peut-être que je les suive. Presser pendant 2 secondes le truc, ah ouais, on peut déjà l'allumer. Y'a pas à le charger là? Genre? Mais putain, mais c'est pas vrai ça! J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Aïe, mes cheveux! Mes cheveux! Ah! Faut pas mettre d'eau, mais je vais faire comment quand je vais regarder Netflix et que je vais pleurer, et que je vais pleurer devant les films, les dramas? Oh là là! Eh, j'ai même pas enlevé! J'ai même pas enlevé les protections! Il y avait ça sur l'opercule, il y avait des opercules. Donc même avec l'opercule, la qualité, elle était bonne, je m'en suis même pas rendu compte. Je suis carrément dans l'espace. Ouah, il y a des ballons! Je suis trop fort. Oh merde! Non, je veux rien casser. Hé, hey, t'es mignonne, toi. Ça marche. Pourquoi ça me donne la chair de poule? J'ai la chair de poule, la tête de ma mère. Time. Bon, bah écoutez, bah je suis content. Je suis grave content de ouf. J'ai configuré le plus important, je l'ai un petit peu chargé. J'ai même fait tester à mes parents pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Parce que ben, quand tu sais pas, tu sais pas, tu... Ben, voilà. Oui, c'est logique cette phrase. Et franchement, moi j'ai pas filmé, mais ça aurait valu le coup, je suis content de leur réaction. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc là les amis, actuellement vous voyez ce que je vois. Bon, pas forcément de la même façon que moi je le vois. Je le conçois parfaitement. Mais en tout cas, voilà, le petit palmier, la vue, magnifique, tu peux te lever, tu peux te baisser, tu peux prendre ça là.
Hop, tu le déplaces où tu veux. Allez, vous savez quoi? On va créer un avatar. Corpulence. Je suis très fin. Bah voilà, je suis celui-là. Ça, c'est carrément moi. Teint de peau, je suis complètement blanc. Oh, on se rapproche? On se rapproche de moi quand même là. Il me faut un gros nez, mais j'ai déjà un gros nez, c'est bon. Il a déjà détecté que j'avais un gros nez, le con. Bon, du coup, j'ai fini mon avatar. J'ai fini mon avatar. Là, on va se faire donc. On va se lancer une petite attraction. Ceux qui ont regardé mes premières vidéos où j'ai découvert le VR, vous allez comprendre pourquoi je disais qu'il y avait un Père Noël à côté de moi. En fait, c'était ça. Mais là, du coup, pour changer, on va prendre autre chose. Ok, regardez comme c'est magnifique. Et là, il y a le gobelin à côté de moi. C'est pas pour ça que je disais, ouais, il y a le Père Noël à côté de moi. Et t'as vraiment l'impression. Alors, du coup, je suis pas sur un canapé, mais chez Arthur, ça rendait trop bien. Genre, j'avais vraiment l'impression de me tenir avec lui, quoi. Et normalement, je peux faire une photo avec une perche à selfie. Oh merde! Voilà. Et là, il fait salut. Vas-y, frérot, salut! Et on y va! Wouhou! Oh, j'ai vu un dauphin! Ouais, ça va... ouais, là ça va donner bien comme il fallait le. Oh la vache à l'agile. Oh la vache à l'agile. En vrai, ça donne un peu la gerbe. Là, tu t'éclates. Waouh. J'en peux plus. C'est quoi que ça arrive? Oh la vache. Ah ouais. Et ça sur Pornhub, ça doit être trop bien. Appuyez sur Y pour mettre en pause. Je connais pas la touche. On est... Ah voilà. C'est trop bien. Waouh. C'est fou hein. Bon bah voilà les frérots, franchement super super expérience, on va pas se mentir. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit vlog qui change d'habitude. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit pouce bleu qui encourage. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir des nouvelles vidéos en VR. Je l'espère faire fonctionner sur Euro Truck, ce serait vraiment incroyable. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous à contre-jour. Regardez comme c'est mignon à contre-jour, vous ne me voyez pas. C'était Mkolo, ciao tout le monde. Et ça sur Pornhub, ça doit être trop bien.